Le 26 décembre 2013 marque le 120e anniversaire du camarade Mao Zedong. Ce jour-là, Xi Jinping et d'autres dirigeants du PCC de l'État se rendirent au mausolée du président Mao pour rendre hommage à ce principal fondateur du Parti communiste chinois, de l'Armée populaire de libération de Chine et de la République populaire de Chine.社会主义基本制度确立以后，如何在中国建设社会主义是党面临的崭新课题。毛泽东同志对适合中国情况的社会主义建设道路进行了艰苦探索。在中国这样的社会历史条件下，建设社会主义没有先例， 咱云山的 exposition du musée des chemins de fer de Chine, située dans la banlieue est de Beijing, est garé un train spécial. Au cours des 26 années allant de 1949 à 1975, Mao Zedong le prit des dizaines de fois pour mener des enquêtes et recherches à travers le pays, parcourant 3 447 900 km. Il passa un total de 6 ans, 10 mois et 21 jours dans ce train.毛主席他可以打开窗帘，可以看，随时的看。好多地方都停过，你都是临时停车，早上县委书记或者地方的这个省里头领导来谈话。哎，他就确实很方便。毛主席这个专用处的人说呢，他们叫毛主席的流动的中南海。De la fin de 1955 au printemps de 1956, pour préparer le 8e congrès du PCC et le démarrage de l'édification économique à grande échelle, Mao Zedong, Liu Shaoqi et d'autres dirigeants du comité central du PCC menèrent des enquêtes minutieuses et systématiques. Peu après le nouvel an lunaire de 1956, Mao Zedong commença à écouter les comptes rendus de travail de 34 départements du Conseil des affaires d'État et celui de la Commission d'État pour la planification sur l'élaboration du deuxième plan quinquennal dans la salle Yinyan à Zhongnanhai. Au côté est de la salle Yinyan se trouve la bibliothèque du Xiang de Mao Zedong où il logeait. Ainsi, il a écouté les comptes rendus dès son lever pendant 43 jours consécutifs, et chaque séance durait de 4 à 5 heures. Dans le même temps, le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique s'est tenu à Moscou. Les problèmes apparus au cours de l'édification socialiste de l'Union soviétique constituaient des avertissements importants pour les communistes chinois à la recherche de leur propre voie de construction du socialisme. Lors de la réunion du secrétariat du comité central du PCC le 4 avril, Mao Zedong a souligné l'importance de penser de manière indépendante, de combiner les principes de base du marxisme-léninisme avec les réalités de la révolution et de l'édification en Chine. Pendant la période de la révolution démocratique, c'est après avoir payé un lourd tribut que le PCC réussit à réaliser une telle combinaison. Pendant la période de la révolution et de l'édification socialiste, le PCC devait réaliser une deuxième combinaison. Guidé par cet esprit, après des enquêtes et une réflexion approfondie, Mao Zedong rédigea un article intitulé « Les 10 rapports ». Ce document eut une portée directrice globale et durable pour l'édification socialiste en Chine. Le 25 avril 1956, Mao Zedong prononça un discours intitulé « Les 10 rapports » lors de la réunion élargie du bureau politique du comité central du PCC et présenta ce document à la conférence suprême d'État le 2 mai. Dans l'introduction des 10 rapports, Mao Zedong écrivit « Ces derniers temps, l'Union soviétique dévoile les fautes et les erreurs qu'elle a commises dans le processus d'édification socialiste. Devons-nous faire les mêmes faux pas ?
dans le passé, c'est en tirant des leçons de leurs expériences que nous avons pu éviter des déviations. Aujourd'hui, nous devons à plus forte raison maintenir notre vigilance. L'exploration de la voie de l'édification socialiste se fit également dans de nombreux autres domaines. En janvier 1956, le comité central du PCC lança un grand appel au peuple chinois, marche vers la science moderne. Le principe directeur défini par le comité central du PCC pour le développement de la science et de la culture est « sans fleurs s'épanouissent et sans écoles rivalisent ». Le 15 septembre 1956, le 8e congrès du PCC s'ouvrit solennellement dans le palais de la Conférence consultative politique du peuple chinois, nouvellement inaugurée. Les 1026 délégués participant au congrès représentaient les 10,73 millions de membres du PCC. Afin d'aller au-devant d'un essor de l'édification économique intégrale, Mao Zedong a appelé tous les membres du PCC à savoir apprendre. Lors de la séance de clôture du 8e congrès du PCC, les délégués adoptèrent à l'unanimité la résolution relative aux rapports politiques. La résolution souligna que la principale contradiction sur le plan intérieur était celle entre l'aspiration de la population à un développement économique et culturel rapide et l'incapacité à répondre à l'aspiration de la population, et que la tâche principale du PCC et du peuple était de concentrer leurs efforts pour résoudre cette contradiction et transformer la Chine, d'un pays agricole arriéré, à un pays industriel avancé aussitôt que possible. Le 8e congrès du PCC fut un congrès réussi et la Chine entra dans une période d'édification socialiste intégrale. Après le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, certains pays socialistes comme la Pologne et la Hongrie en Europe orientale ont connu des turbulences. De nombreuses situations complexes et de nouvelles contradictions inattendues apparurent également dans la vie politique et sociale chinoise. De ce fait, pouvoir tirer des leçons de l'Union soviétique et des incidents survenus en Pologne et en Hongrie, ainsi que pouvoir résoudre les nouvelles contradictions qui apparaissent dans le socialisme chinois, étaient les priorités du comité central du PCC et de Mao Zedong à cette époque-là. Le 27 février 1957, Mao Zedong prononça un discours intitulé « Comment résoudre les contradictions au sein du peuple ?» Il souligna « Dans la société socialiste, il existe deux types de contradictions de nature fondamentalement différentes, à savoir les contradictions entre l'ennemi et nous, et celles au sein du peuple. Dans les conditions socialistes, un grand nombre de contradictions qui existent sont celles au sein du peuple, qui ne peuvent pas être résolues que par des méthodes démocratiques, par l'information et avec l'approche Union critique-Union. La théorie de Mao Zedong sur les contradictions dans la société socialiste enrichit et développa la théorie du socialisme scientifique. À la fin de 1957, la Chine acheva intégralement son premier plan quinquennal de développement économique national, jetant les premières bases de l'industrialisation socialiste. En l'espace de 5 ans, la croissance annuelle en moyenne de la valeur totale de la production industrielle chinoise fut grandement accélérée. Le niveau de vie des populations s'améliora progressivement. «
Avec l'achèvement du premier plan quinquennal en avance, le peuple montra un plus grand enthousiasme pour l'édification socialiste. Beaucoup de gens pensaient que l'édification économique devrait se faire à un rythme plus rapide. En novembre 1957, Mao Zedong conduisit une délégation chinoise pour participer au congrès des partis communistes et travaillistes à Moscou. L'Union soviétique lança avec succès le premier satellite artificiel et se fixa l'objectif de rattraper et de dépasser les États-Unis en 15 ans dans ses avancées technologiques. Encouragé par cela, le comité central du PCC avança l'objectif de développement consistant à rattraper le Royaume-Uni en termes de production d'acier en 15 ans. Le PCC essaie de créer une toute nouvelle situation en explorant la voie de l'édification socialiste en Chine. Cependant, faute d'expérience dans l'édification socialiste à grande échelle et assoiffé de succès rapide, le PCC lança le grand bond en avant et le mouvement des communes populaires. Contrairement à toute attente, cela entraîna de graves retombées sur l'économie nationale et la vie sociale. Les leçons à tirer étaient marquantes. Afin de corriger les erreurs commises au cours du grand bond en avant le plus vite possible, le comité central du PCC ajusta la politique en temps opportun. En octobre 1958, Mao Zedong se rendit au sud du pays pour mener des enquêtes et des recherches. Il souligna à maintes reprises « L'échelle de la commune populaire doit être réduite. Nous devons maintenir la production de marchandises, l'échange de marchandises et la rémunération selon le travail fourni. » Au cours de l'enquête, Mao Zedong constata que les cadres aux différents échelons manquaient de connaissances en économie. Il leur proposa de lire le manuel d'économie politique de l'Union soviétique et montra l'exemple en prenant l'initiative de le lire. Mao Zedong 当时已经看到社会主义社会中要有商品经济，而且他认为应该重视价值规律。这次读书中间所讲的这些议论，可以反映出，他。 En novembre 1960, Mao Zedong rédigea les instructions du comité central du PCC sur la lutte contre les cinq vices, qui exigeait une rectification complète des cinq tendances nuisibles, à savoir l'égalitarisme absolu, la tendance à la vantardise, celle d'imposer des ordres, le privilège des cadres et la tendance à diriger arbitrairement. L'accent fut mis sur la rectification de l'égalitarisme absolu. En janvier 1961, la 9e session plénière du 8e comité central du PCC décida de mettre en œuvre la politique de réajustement, de consolidation, d'enrichissement et d'amélioration pour l'économie nationale. Mao Zedong appela le PCC à mettre l'accent sur les enquêtes et les recherches. Après la session plénière, Mao Zedong dirigea plusieurs équipes pour mener des enquêtes en milieu rural dans les provinces du Zhejiang, du Hunan et du Guangdong. Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Zhu De, Chen Yun et Deng Xiaoping se rendirent respectivement dans le Hunan, le Hebei, le Sichuan et d'autres provinces, ainsi que dans les banlieues de Shanghai et de Beijing. Sur la base d'enquêtes et de recherches, Mao Zedong présida à l'élaboration des règlements sur les communes populaires rurales, projet. Deng Xiaoping et d'autres dirigeants présidèrent successivement l'élaboration des règlements sur les entreprises industrielles d'État, projet. Des réajustements furent aussi faits dans d'autres domaines, dont la science, l'éducation et la culture. Afin de mieux faire le point sur les expériences et les leçons tirées depuis le grand bond en avant et de renforcer l'unité, du 11 janvier au 7 février 1962, le comité central du PCC tient une conférence de travail élargie à Beijing. En présence de 7118 principaux responsables, allant de l'autorité centrale jusqu'au niveau du district, d'importantes usines et mines à l'armée, la conférence fut appelée « Conférence des 7000 cadres ». Lors de la réunion, Mao Zedong encouragea les participants à parler à cœur ouvert. «
开的时间长，叫你把话说完。第二呢，党中央做了自我批评，这是非常不简单的。他探讨我们国家建设社会主义的经验教训、规律其广度和深度呢，超过了八大这个广度和深度。Le 21 décembre 1964, la première session de la 3e Assemblée populaire nationale s'ouvrit à Beijing. 周恩来在政府工作报告中第一次完整准确地提出了四个现代化的奋斗目标，就是现代工业、现代农业、现代国防和现代科学技术四个现代化。可以说，从此四个现代化就成为激励全国人民共同奋斗的目标和理想。Sous la direction du PCC, l'édification socialiste à grande échelle permit de changer énormément la physionomie de la Chine. Tous les Chinois s'élancèrent avec enthousiasme dans l'édification socialiste en plein essor. Les ouvriers de l'industrie pétrolière à Daqing, représentés par Wang Jinshi, construisirent avec abnégation le champ pétrolifère de Daqing, la plus grande base de production pétrolière de la Chine. Surnommé l'esprit de l'homme de fer, l'esprit de Daqing, marqué par le patriotisme et le dévouement, fut ainsi créé. Jiao Yulu, secrétaire du comité du PCC au district de Lankao, bien qu'atteint d'une maladie du foie, conduisit les habitants du district dans l'aménagement du désert et des eaux, l'amendement des terres et l'élimination de la pauvreté. Il garda le peuple à cœur et travailla avec abnégation. L'esprit de Jiao Yulu était marqué par l'attachement au peuple, la lutte ardue, l'affrontement des difficultés et le dévouement des intéressés. Les habitants du district de Linxian, dans la province du Henan, creusèrent des montagnes et construisirent des ponts dans le mont Taihang. Le canal Hongqi, de 1500 km, vit le jour. Les agriculteurs chinois réalisèrent l'exploit de transformer la nature. Lei Feng, un soldat de l'armée populaire de libération, se contentait de servir le peuple dans un poste ordinaire. Toujours prêt à se dévouer et à rendre service à autrui, il faisait preuve d'un sentiment communiste noble. L'esprit de Lei Feng devint un symbole dans les mœurs sociales de la Chine nouvelle. Chen Sanqiang, Chen Shui-sun, Deng Jiaxian et d'autres scientifiques d'élite participant au projet Deux bombes, un satellite attachaient étroitement leurs idéaux personnels au destin de la patrie. Ils se sont engagés dans une entreprise qui ébranlait le monde, mais tenait à garder l'anonymat. Ils ont gravé à jamais l'esprit de deux bombes, un satellite dans l'histoire de la Chine. Un esprit marqué par l'amour pour la patrie, le dévouement des intéressés, l'autonomie, le dur labeur, les efforts concertés et le courage d'affronter les obstacles. En novembre 1960, le premier missile sol-sol à courte portée de la Chine fut lancé avec succès. En octobre 1964, la première bombe atomique de la Chine explosa avec succès. Deux ans et huit mois plus tard, la première bombe à hydrogène explosa avec succès.
en avril 1970, le premier satellite artificiel chinois, Dongfenghong 1, fut lancé avec succès. Le 25 octobre 1971, la 26e Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 2758, rétablissant tous les droits légitimes de la République populaire de Chine au sein des Nations unies. Le 21 février 1972, le président américain Richard Nixon se rendit en Chine. Les relations entre la Chine et les États-Unis commencèrent à entrer dans un processus de normalisation. En conséquence, la Chine inaugura le deuxième élan de l'établissement des relations diplomatiques après la fondation de la Chine nouvelle. En 1976, 113 pays établirent des relations diplomatiques avec la Chine, ce qui créa des conditions favorables à l'application ultérieure de la politique d'ouverture sur l'extérieur en Chine. Après la fondation de la nouvelle Chine, les impérialistes appliquèrent pendant longtemps une politique d'hostilité, de blocus à l'encontre de la Chine. L'Union soviétique exerça aussi une pression énorme sur la Chine après la détérioration des relations bilatérales. L'environnement extérieur rigide eut un grand impact sur le jugement par le PCC de la situation politique intérieure et la détermination des tâches centrales et politiques du parti et de l'État. Dans le processus d'exploration ardue de l'édification socialiste, le PCC, en raison d'un manque d'expérience et d'une compréhension insuffisante des lois régissant le développement économique et de la réalité chinoise, s'écarta progressivement de la compréhension des principales contradictions sociales, ce qui conduisit à une accumulation d'erreurs gauchistes, tant en théorie qu'en pratique. Ceci finit par conduire à la révolution culturelle, avec une décennie de troubles intérieurs. Le parti, l'État et le peuple firent face aux revers qui ont duré le plus longtemps, touché l'étendue la plus vaste et causé les plus grandes pertes depuis la fondation de la République populaire de Chine. Pendant la révolution culturelle, le PCC et le peuple ne cessèrent jamais de lutter contre les erreurs du gauchisme. C'est grâce à la lutte des membres du PCC et des masses populaires que les dommages causés par la révolution culturelle furent restreints dans une certaine mesure. Ainsi, l'édification socialiste progressa. La nature du parti, du pouvoir du peuple, de l'armée populaire et de la société dans son ensemble ne changea pas. Répondant à la volonté du parti et aux aspirations du peuple, en octobre 1976, le comité central du PCC démantela la bande des quatre, mettant fin à une décennie de troubles. L'histoire prouva que le PCC était capable de rectifier ses erreurs par ses propres forces et que le PCC et le système socialiste avaient une forte vitalité. L'histoire avance malgré les vicissitudes. Les 30 premières années qui suivirent la fondation de la Chine nouvelle constituent une période durant laquelle le PCC guida le peuple chinois au prix d'énormes efforts sur la voie de la révolution et de l'édification socialiste en réalisant des exploits importants. La Chine avait réussi à mettre en place un système industriel et un système économique national indépendant et relativement complet dans un pays qui était pauvre et faible. Avec une croissance économique relativement rapide et une amélioration progressive du niveau de la vie matérielle et culturelle du peuple, la Chine acquit une influence considérable dans le monde. Les communistes chinois, avec le camarade Mao Zedong comme principal représentant, unirent et dirigèrent le parti et le peuple chinois dans une lutte de longue haleine, ce qui conduisit à la victoire de la révolution néo-démocratique, à la fondation de la République populaire de Chine.
à l'institution du régime fondamental du socialisme et au succès de la réalisation d'une révolution sociale la plus profonde et la plus grande de l'histoire de la Chine. Ceci posa les assises politiques et institutionnelles pour tout développement et progrès de la Chine contemporaine. Les exploits impérissables accomplis par les révolutionnaires de la première génération, tels que Mao Zedong pour le PCC, le peuple chinois et la nation chinoise seront à jamais gravés dans l'histoire du parti et de l'État.伟业征途，每一天都。